Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 sur Minecraft en 1.8 sur ma map Ramsès 2. Alors, aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle administration sur ma map Ramsès 2. Hier, je vous ai montré le Cafaseum et le CPAMZEUM. Attendez, j'entends un bruit. D'être une bestiole encore derrière le mur. C'est habité chez nous, c'est dingue de chez dingue. Sur ce, j'ai eu un commentaire hier et je lui ai dit Franco, hein, tu m'as grillé sur ce que je devais faire dimanche. Donc, île d'animation, ou j'espère que je le prononce bien. Voilà, merci de m'avoir dit de faire. Pôle emploi comme administration sur ma map Ramsès 2. Et ben c'était ce qui était prévu de faire aujourd'hui. Donc du coup, je fais une pierre deux coups. Je suis ton conseil et je suis mon idée. Donc impeccable et merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent, qui me mettent des commentaires, qui m'encouragent énormément et qui me font vraiment plaisir parce que c'est une map que je fais quand même depuis de nombreuses années et qui me demande énormément de travail et je kiffe. Alors du coup ça me gêne absolument pas hein, mais je m'éclate à faire ça et du coup quand j'ai des commentaires ça me fait plaisir. D'ailleurs, merci aussi à toi. Je sais pas comment ça se prononce non plus. Je suis désolée si j'écorche ton pseudo. J-Say ou J-Say, je sais pas. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. En plus, toi et Île d'Animation, vous êtes vraiment des nouveaux. C'est la première fois que je vois vos pseudos dans les commentaires et ça me fait vachement plaisir. Et merci à toi, Christo, de continuer à me suivre quasiment depuis le début et ça me fait extrêmement plaisir. Bref, sur ce, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. J'ai entendu un bruit. C'est peut-être juste Marc Phoenix qui marche à l'étage ou peut-être juste une de mes filles, Lucie ou Violette, qui veut descendre. Donc du coup, on va se manier le patch un petit peu. Donc ici, j'ai fait le CPAMZEUM. Et là, le CAFAZEUM. Je sais, je vous redis ce que j'ai fait et dit hier. Mais du coup, c'est obligatoire, entre guillemets, parce que là, j'ai fait le Poloploa Zéum. Je trouve que c'est très moche comme nom. Mais en même temps, Poloploa, je trouve que c'est vachement, vachement bien. Alors, à l'intérieur, nous trouvons des bureaux pour les secrétaires, les classeurs où sont rangés les documents. Ici, oh mince, pardon. Je suis naze, moi. Voilà. Où j'ai rangé les papiers dont on a besoin pour remplir les dossiers et compagnie. Ici, les étagères où se trouvent les archives. Là, la salle d'attente, etc., etc. Et vous allez me dire, bah dis donc, il n'y a pas beaucoup de sièges pour s'asseoir. En Égypte ancienne, chômage égal, il n'y en a pas. Hein. Il y a énormément de travail à l'époque des pharaons, et là surtout Ramsès II, avec toutes les constructions possibles et imaginables qui ont été faites sous son règne. J'ai une petite mouchette qui tourne devant moi. Mouchette alias moucheron, mais chez nous on appelle ça des mouchettes. Voilà, parce qu'elles nous font rigoler. Mais il faut pas qu'elles se mettent sur mon verre de lunettes, c'est chiant. Du coup, ça me déconcentre. Donc voilà, là ici, c'est juste l'endroit où par exemple on vient au matin avec un groupe de copains et on dit qu'est-ce que Pharaon a besoin? Et là, la secrétaire, elle dit donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Et elle lui dit, comment ça s'écrit? Excusez-moi, ça c'est scène de ménage.
Bon, donc j'ai fait un bâtiment, c'est exactement le même. Ah, oui, il est un petit peu plus grand parce que c'est vrai qu'il faut recevoir du monde, étant donné qu'il y a énormément de choses à faire. Malgré l'arrivée du Poloploiseum, on n'a toujours pas fini la pyramide. Alors là, ça, c'est pas normal. On verra bien ce que ça donne un petit peu plus tard. Affaire à suivre. Alors, à l'extérieur, j'ai fait un petit jardin d'agrément où les gens peuvent venir se détendre tranquillement en attendant d'aller bosser durement pour travailler pour Pharaon. Ici, j'ai fait un petit bassin et je n'aime pas trop utiliser sans arrêt le mot petit parce que les gens aiment beaucoup dire j'ai fait un petit gratin de courgettes avec un petit rôti de porc avec un petit dessert, une mousse au chocolat, un bavarois ou ce que tu veux. Mais petit, pourquoi petit? Tu nourris des biafrais, ils ont pas faim. Oh si, justement, alors t'as fait un gratin, t'as pas fait un petit gratin, ok? La langue française est merveilleuse. Moi je kiffe franchement la langue française. Avec Lucie en ce moment on fait de l'anglais. Niveau sixième, certes, mais du coup, on traduit beaucoup, on voit le vocabulaire anglais et le vocabulaire français. Et la langue française est magnifique, 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 magnifique. Oui, je m'en rends compte grâce au cours d'anglais de Lucie. Ouais, non, je m'en rends compte depuis très très longtemps. J'aime beaucoup la langue française et c'est vrai que quand on parle avec les gens et qu'on voit le vocabulaire, il y a des fois on dit putain, il y en a qui se sont fait chier à faire évoluer la langue française pour que tu dises ça? Non, arrête tes conneries. Et même les gros mots, je trouve que c'est magnifique. Voilà, oui, je suis un peu comme le mérovingien dans Matrix. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Bon, donc il y a un petit point d'eau. Oui, je dis complètement n'importe quoi, mais c'est pas grave. Là, ici, j'ai mis un petit jardin. Alors là, j'emploie le mot petit. Mais ici, les jardins sont quand même petits. Et là, ici, le point d'eau est quand même très petit. Il y a deux machins, il va pas y avoir un requin qui va arriver. Normalement, on ne devrait pas non plus avoir un poulpe. Quoique, par là-bas, dans les bassins, un trou, enfin un de large, eh ben, il y avait des poulpes qui remontaient. Donc là, on verra bien. Là, ici, alors. Là, on a quand même un endroit où on peut grailler. Pharaon était généreux et donc il offre des pommes, du pain et de la pastèque. Certes, ça n'existait pas à l'époque de Ramsès II, mais il y avait du melon et c'est ce qui ressemble le plus au melon. Hein, donc, quoique, attends, en même temps, je suis en train de penser à quelque chose. Ouais, non, c'est la seule chose qui ressemble le plus au melon. La pastèque. Et là, on peut se faire un petit café. Alors, je dis un petit café parce que faut pas débloquer. On est nombreux à attendre pour aller travailler, donc on n'en boit pas un grand. Et puis, t'as vu, c'est chaud, donc on fait une petite tasse pour la boire plus rapidement. Là, j'ai fait un bassin. Oh, ben il y a des poulpes déjà. Dis donc, le temps que je présente, pouf, v'là des poulpes. Salut! Donc ici, on peut venir se détendre. J'ai pas encore fait les chaises. Les bancs, pardon. Les chaises, n'importe quoi. Les bancs. C'est vrai que j'ai pas de mode de jeu là-dessus. Ah bah j'en ai là des machins. Donc c'est bon, j'ai pas besoin. Donc en attendant de savoir si on va avoir du boulot ou pas. Cet après-midi, aujourd'hui, pas cet après-midi, aujourd'hui, on peut venir s'asseoir un petit peu, voilà, tranquillement au bord de l'eau. Pourquoi pas pêcher un petit peu? Why not? Hop, hop, hop. Alors, je construis beaucoup seul. Je sais que plusieurs fois vous m'avez dit ah, oh, c'est embêtant, tu construis pas en direct. Ouais, je sais. Mais
Il y a des fois, les idées me viennent un petit peu. J'allais dire un truc, mais je vais me retenir. Mais me viennent un petit peu comme ça. Donc, je préfère faire les constructions quand j'ai l'idée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je peux pas toujours construire en direct parce qu'il y a des fois j'ai les idées qui arrivent d'un coup et là c'est vrai que l'idée du Pôle emploi Zéom, Pôle emploi Zéom, pardon, je l'avais déjà depuis, ben, depuis que j'ai décidé de faire la CAF et la CPAM. Oh! Donc ça faisait un petit bout de temps que j'avais l'idée. Parce qu'il fallait quand même des administrations pour venir, pour accueillir les gens. Mais voilà, j'étais pas convaincue d'avoir besoin de faire un pôle emploi dans une société où le chômage n'a pas. Voilà. Tout le monde travaille parce que voilà, il y a du boulot et puis ça se construit pas tout seul. Ça non plus, hein. Ça, voilà. Parfois, j'ai eu des commentaires de personnes qui me disaient, il n'y a pas assez de pyramides. Ah, ah bon? Ah si, il y en a pas mal, qu'un, il y en a encore une là-bas. Et il y en a plein de l'autre côté du Nil. Il y en a beaucoup. Et réduire, pardon, résoudre, réduire l'Égypte ancienne aux pyramides, alors que c'est quand même un truc monumental, hein, je suis d'accord, c'est un petit peu facile. Si je m'arrêtais à me dire, tiens, il y a des pyramides, c'est bien. Oh, alors, puis c'est facile à faire une pyramide, une fois que tu commences, paf, flic-flac la baraque, c'est fini. C'est long parce que là, de l'autre côté du Nil, il y a des pyramides qui sont loin d'être finies alors que ça fait au moins 3 ans qu'elles sont commencées. Et je dis 3 ans parce que j'ai pas envie de dire plus. Alors, ici, on a le Good Omens. Oulou. Pareil, c'est une série. Je fais beaucoup de choses en rapport avec les séries. Ça vous dérange pas si je viens faire un petit peu de dodo chez vous parce qu'il fait nuit, j'ai pas envie de le changer avec une commande. Puis je voulais tester si je me couchais dans la maison et que je me relevais dans la maison. Et donc c'est bon. Donc ici on a plein de villes en rapport avec des séries. Là c'est Pressure. Là c'est là-bas. C'est la série. Ben ici, pardon, c'est la série Prêcheur. La Good Omens. Là, c'est le Flandis Compaseum. La Flanders Company. Web série française. Avec les profs. Web série française également. Et voilà, tout est un petit peu en rapport avec ce que je regarde à la télé dans cet endroit-là. Là-bas, le temple, c'est la Patmen Mei. C'est ma fille de 5 ans qui lui a donné son nom. Là-bas, on a l'Orphée Lucia. C'est le temple de. Le prénom de ma fille, ma première fille, Lucie. La Patmen Mei, c'est ma deuxième. Seconde fille. Seconde. Hein, fille Violette. Qui a 5 ans et qui joue à Minecraft depuis bon, quelques temps maintenant et qui se promène souvent sur cette map. Ce qui aide à faire avancer aussi la map. Là, ici, c'est la tour pour Thomas Pesquet parce que je l'ai construite pendant qu'il était en train de revenir sur Terre le 2 juin de je sais plus quelle année, il y a 2 ans. Et parce qu'on l'a suivi partout, sur tous les réseaux sociaux, tout le temps qu'il était parti. Voilà, donc on a plein de choses.
Là, ici, je voulais aller faire un... Mais qu'est-ce que tu fais là, ta voix? Hello? Ça va? Bah alors? Eh, tu traverses et là-bas, t'as la ville de... du Flandizis Compaseum? Non? Eh ben, dis donc. Ici, il n'y a personne. Non, il n'y a personne caché ici. C'est donc une mine abandonnée que j'ai trouvée en creusant un petit peu. Bon, allez, c'est pas le tout, mais j'ai oublié de vous dire un truc. Eh, bon dimanche à toutes et tous. Oh, s'il fait aussi beau que chez nous, je vous invite à rester au chaud chez vous, dans votre canapé, hein. Regardez un petit peu la télé, même s'il n'y a que dalle, hein. Voilà. J'étais en train de chercher ce qu'il y avait comme autre série. Là, c'est le Stargate Homme. De la série Stargate. Voilà, là-bas. Bon, ça, c'est un autoportrait de moi et Pharaon. Hein? Le Pharaon et moi, en français, dans le texte. Poum, poum. Ah, oh, là, là. Là-bas, il y a le temple en hauteur. Attends, je cherche pour accélérer. Oula. Le Cœur City Police pour la série de The Ernesto 97. Et puis j'ai envie de finir là-haut, voir un petit peu ce qui se passe. Et là. C'est un phénix, ça c'est pour mon homme, Marc Phénix. Oui. Oh bah écoute, on a le droit de gogoter un peu. Il y a des trucs pour mes filles, il y a des trucs pour mon homme. Et pour les séries que j'aime. Aïe, excusez-moi, je viens de taper dans mon... dans le fil de mon casque. Alors tout cela m'a demandé énormément de temps de construction, de recherche, de fabrication et tout ça. Et je tiens à dire quelque chose, c'est que... C'est quoi ça là-dedans? Ah bah c'est une poule! Purée la vache, attends, l'animal hyper inconnu. La poule! Ouais, j'adore. Franchement, j'adore, 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 j'adore. Et cette série restera longtemps, très longtemps sur ma chaîne. Parce que ça fait longtemps que je travaille dessus et je suis vraiment... J'ai envie de le dire, hein, je suis vraiment fière de moi et j'aime beaucoup. Voilà. Bon, allez, sur ce, c'est pas le tout. Moi, je me gèle. Chez nous, il fait pas chaud. Il y a du chauffage, mais comme dehors, il fait très mauvais. Très du vent, très qui va pleuvoir et très pas beau. Ah oui, non, mais je parlais de la beauté de la langue française, mais j'ai pas dit que je l'utilisais en permanence non plus, hein. Non, mais j'ai du boulot, même si on est dimanche. J'ai quand même un petit peu de travail. J'ai pas fini ce que je devais faire hier. Et bah, tant pis, quand on travaille chez soi. Et puis qu'on court pas partout comme moi, hein? Oui, je me demandais. Attends, parce que en même temps, je réfléchis. Moi, je sais pas si vous savez, mais je suis handicapée et j'ai de temps en temps affaire à la MDPH, la maison des handicapés. Je me demandais si je faisais ça. Mais je sais pas si en Égypte ancienne, ça est très. C'est très malin de faire la MDPH des hommes. En plus, c'est dur à dire. Moi. Ou alors la maison des haches et hommes. Hein? Non, 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 non. Non, je pense que je vais pas le faire. Bon, allez. Moi, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Profitez-en bien.
Et puis, ben à la prochaine pour la suite, sachant que cette map n'est pas prête de se terminer parce que c'est de pire en pire les idées qui me viennent en tête. Hein? Et puis, comme je fais que ça de regarder des nouvelles séries, ouais, en ce moment on regarde Fear the Walking Dead. Oh, la saison 5, elle est un petit peu. Comment dire? Popoteuse? Ouais. On se fait un petit peu chier quand même, hein? Mais après, on regarde le dernier demain, dernier épisode, et après on commence Z Nation ou Z Nation, je sais pas comment ça se dit. Ou je sais pas, on verra. Parce que moi j'ai vachement envie de me refaire la série Preacher. Donc, faut que je me tente. Je réfléchis à ça et je vous le tiens au courant. Rapidos. Bon, allez, moi je vous laisse parce qu'il faut que je me mette un petit peu à bosser, sachant qu'à 6h15, il y a un Batman sur Toonami. Donc, on rigole pas avec ça. Alors, moi je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, peut-être un petit peu laborieuse. Excusez-moi. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. À plus tout le monde!